Salut YouTube, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre Let's Play sur Pokémon Noir 2. Dans l'épisode précédent, on avait fait le petit voyage entre Lask et le pont du hameau. On a fait quelques combats, on a capturé un petit Marill qui est devenu un Azumarill très rapidement, qui est assez fort, hein, il a Coloforce, donc il risque de nous être très utile, surtout contre Watson. Et aujourd'hui, oh il y a un gamin, attendez on va taper le gamin. Aujourd'hui, on va aller à Janusia, j'ai un petit peu farmé mes Pokémon en off avec les gens du live. Et on est tous niveau 43. Ça va être pas mal, parce que je pense que Watson s'approche du niveau 45. Le temps d'aller à Janusia, on sera à ce niveau, je pense. Donc voilà, on va faire des combats tranquillement, le temps d'aller à Janusia. On va faire le petit match, si on met pas trop de temps, on fera le combat d'arène. Et après, bah voilà, on avance tranquillement. Hop là, on affaiblit le petit sablero. Il fait une tempête sable, mais ça sert à rien parce que je suis de type sol, donc je ne prends aucun dégât. Tu fais que du Pokémon? Non, je fais pas que du Pokémon. Je fais aussi du Naruto, du Inazuma Eleven, du Minecraft. Je fais beaucoup de jeux en vrai. Bon. Ben on va, j'ai l'impression d'avoir un petit coup de lag. On va aller à Janusia comme on l'avait dit. Je pense qu'avec les dresseurs qui va traîner, on va se mettre bien. Ok, il y a un éleveur. J'aurais peut-être pu farmer avec lui en fait les niveaux. Je suis fier de ces Pokémon que j'ai élevés avec amour. Ah, un Emolga. Non, en vrai, ça va. Emolga contre Vibranin, ça fait le taf. Parce qu'il peut pas me toucher efficacement. Donc je peux faire une petite mâchouille pour l'affaiblir, pour commencer. Je me prends un statique. Eh bien, je fais un Draco Souffle. Oh, il fait mal. Ah, je l'ai pas paralysé. On va switch de Pokémon, sinon je tombe KO. Et on va mettre... En vrai... Allez, un petit Faramp. Et... Rayon Gemme. Altaria, on change de Pokémon, on va mettre Azumarill. Azumarill qui va le one-shot avec un point glace. Parce que bon, Altaria petit type dragon vol. Contre un Azumarill Coloforce qui fait point glace. Je parie sur un one-shot. Même s'il fait une danse Draco. Ouais, c'est un one shot. Yasuma, il passe niveau 44. Oh, un Pokémon Ranger. En vrai, il y a peut-être moyen de faire passer Vibranymph en forme de Libégon. Les eaux tumultueuses d'une cascade ont aguerri mon esprit. Je suis solide comme un roc. Pokémon ICY, c'est bien. Oui, c'est sympathique. La 6G, moi personnellement, je l'aime bien. J'aimerais bien la faire en let's play pour 2022. Ça va être tendu, mais ça peut se faire. Les méga évolutions. Ah ouais, les méga évolutions. Tellement bien. Méga Lucario, Méga Dracofeu. C'est dommage qu'ils s'en mettent pas. J'aimerais bien que la 9G ait un système soit le retour de méga évolution, soit un système semblable. Parce que bon, le Dynamax, je suis pas un grand fan.
Méga fouet. Oh là là. Mais ce triton ne cesse pas faire. Tiens, on va mettre Zoroark pour le farmer un petit peu aussi. Et oui, les méga évolutions apparaissent à la 6ème génération. Ouais. Et elles devraient réapparaître. Hein. Moi, je demande une réapparition des méga évolutions. Ça serait tellement bien. Regardez, à cause du Dynamax, on n'a même pas de méga pangoléon. Je suis trop deg. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas un dresseur qui traîne aussi ici? Yaouh! C'est plein de rien du tout ici, hein? D'accord. J'adore les petits rien du tout, mais c'est pas facile à expliquer. Ah! Ah, ok, c'est Viridium. Viri! Non. Ça me tue comment j'ignore les Pokémon quand même, c'est assez ridicule. Genre le mec il a un Pokémon, limite c'est un dieu qui arrive devant lui, il est en mode ah ouais, pff, m'en fous. Je crois que tu es en train de me donner envie de me refaire Pokémon Noir 2 et Blanc de Willow. Eh bien écoute, fais-toi plaisir Shuka, c'est tellement un bon jeu. Du coup on a Genuvia, ça a bien changé par rapport à la première fois. Coucou, notre dernière rencontre c'était à Volucité hein. Tu es à Genuvia pour affronter Watson? C'est lui qui s'est occupé de moi, c'est comme un papa. Mais qui serait pas de la même famille? La reine est par là, mais avant d'y aller, tu pourrais faire un tour sur la route 9, hein. Et tu sais quoi? Watson, les Pokémon, ils l'adorent. On sent leur amour même quand ils sont dans leur Pokéball. Bon courage. Ok, ben écoute, on va aller à la route 9, hein, si c'est ce qu'elle demande. Attends, par contre, y a pas une... Si, attends, y a une maison où est-ce qu'il y a des top dresseurs avec des combats trio. Je crois que c'est là. Bienvenue au manoir de combat, le paradis du combat rotatif. Jusqu'à il y a quelques années tout du moins. Aujourd'hui les dresseurs préfèrent pratiquer cette discipline de Pokémon au Pokémon World Tournament de Poyonev. Ah. Ok. Ah non, la route 9 c'est là-bas. Oh, j'ai confondu avec la zone de la ligue Pokémon. Bon, on va voir ça. Ah oui, il y a des loubars. On va farmer les loubars. Hey, toi. Raquette-moi que je te défonce. Viens rejoindre notre bande. Tu n'as pas le choix. Merci de dire Zacian et pas Zacian. Ben, c'est comme ça qu'on dit Zacian. Ou du moins, pas en VO, mais... Normalement, on dit Zacian, non? Tiens, Telluriforce. Parce qu'on dit Zamazenta et pas Zamazanta. Sinon ça fait un peu mec qui zozote. Il y a des gens qui m'annoncent mal. Ah. Je sais pas, moi dans mes souvenirs, tous les gens que j'ai entendu dire Zacian, ils disent Zacian. Ah, Vibranov passe niveau 44. Il va prendre Tempête Sable, c'est nul. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il apprenne séisme, ça sera plus puissant que Telluriforce. Quoi, tu veux passer? Il va falloir y mettre les formes. Tu as une bonne team, merci. J'ai essayé de faire un truc un peu stylé, un peu varié. Avec des Pokémon pas forcément utilisés tous les jours. Et avec des Pokémon totalement différents de quand j'ai fait le Let's Play Pokémon Blanc. Et j'en suis plutôt content, même s'il y a des Pokémon que je voulais pas, genre à la base je voulais Crapustule et Trioxydre. Sauf que ben Crapustule c'est un post-ligue et Trioxydre même pas sûr que je puisse l'avoir.
Donc on s'est rabattu sur Vibranymphe, qui deviendra un Libégon, et Azumarill. Ça fait un Pokémon type eau et un Pokémon type dragon, ça fait le taf. Mince. Ah, je suis rapide et sauvage. Personne ne peut me vaincre. Dans un niveau, il évolue en Libégon, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de le faire un max de combats pour qu'il évolue. Parce que contre Watson, on aura bien besoin d'un Pokémon évolué comme ça. Bon, on tente une Tellurie Force. D'ailleurs, j'ai fait aussi un let's play sur Poképark. Poképark, j'ai jamais essayé. Ça me tente en vrai. Parce que ça avait l'air vachement chill comme jeu. Et moi, les jeux un peu pépouze comme ça, j'aime bien en faire de temps en temps, ça détend un peu. Ok, une rapide ball, c'est quoi la Pokéball là-bas? Ah. Ok, je vois. Bon allez, on va essayer de jouer Roi Tiflam et Vibranymphe. Hé hé, je sens que tu as de bien beaux Pokémon, tu veux bien me les montrer? Oh là là, deux voyous ensemble, tu sais ce que ça veut dire? Le résultat risque d'être explosif. Je vais finir environ 5 heures, mais je connais le jeu par cœur. Et en fait, faut faire quoi dans Poképark? Si tu peux me faire une courte description. Oh, ça va rapporter de l'XP, ça. Avec ça, je pense que je peux level up. On va faire une Tellurie Force sur Drascore. Et je vais faire un gros tacle-feu sur Crocorrible. Ah! J'aurais peut-être dû faire vol du coup. Je crois que je vais le regretter. Ouais, si je fais vol en vrai, je risque de. Rater. On va faire Tellurie Force sur Crocorrible encore. Et je vais faire Nitro Charge sur Drascore, comme ça je prends un peu de vitesse. Si je tank, il y a moyen de faire du dégât. Je tank. Je tank doublement. Allez, on peut le faire. Ça fait rien. Vol. Non, vol pas tout de suite. Quoique, si. Si, en vrai, vol. Et toi, fais tac le feu sur Crocorrible. Il y a moyen de les mettre KO. Non, il tank, hein. Il va mettre KO Roi Tiflam, je pense. Donc là, au pire, je me soigne. De toute façon, je peux rien faire de plus. Hop là, hyper potion. Allez, si je tanque le coup, normalement on rapporte pas mal d'XP. Oh mais il a un bulk de malade ce Pokémon. Allez, nitro charge. Voilà. C'est bon, Vibranymphe passe niveau 45, il va pouvoir évoluer. Quoi? C'est ça ton sens de l'amitié?
Notre amitié n'a pas été assez forte. Oui, Heavy Brinf évolue enfin après tout ce temps. Voilà, tous nos Pokémon ont évolué. Félicitations, votre Vibranymph évolue en Libégon. Il va prendre Dracoqueue. Attendez, d'abord je mets le petit gif du Libégon. Hop. Dracoqueue, c'est intéressant, mais le problème c'est que ça fait switch le Pokémon. Et est-ce que c'est aussi puissant? Ouais, c'est aussi puissant mais moins précis. Donc c'est pas intéressant en soi. En plus, attendez, je regarde, mais Libégon, il est plus spécial ou il est plus physique? Je crois qu'il est plus spécial, hein. Non, il est plus physique. En vrai, peut-être à la place de Machouille, parce que Machouille, ça me sert à rien. Non, Machouille, c'est fort quand même. Bon, au pire, ouais, on met à la place de Draco Souffle. De toute façon, plus tard, on sera dû apprendre, je pense, Draco Météor ou une attaque du style, genre peut-être colère. Dragoqueue, c'est pas ouf. Ouais, mais à terme, on le remplacera par autre chose. Et comme ça, c'est un petit peu plus puissant, même si c'est moins précis. Au pire, je donnerai la loupe, ou je sais plus quel objet qui augmente la précision. Bah écoute, on va aller se faire l'arène, à moins qu'il y a des trucs intéressants à acheter dans le centre commercial. Ah déjà lui, il vend des potions, on va en acheter une bonne dose. Voilà, on va se faire plaise. Et là, c'est des CT, non? C'est pas les CT, c'est les Pokéballs. Peut-être ici? Non. Là? Non plus. Bah, il est où le vendeur de CT? Il est en bas? Ah, il est peut-être ici. Ah oui, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Ultra Zergy. Oh. Oh, ça pue! Je pensais qu'on allait avoir des laser glaces, des blizzards, des déflagrations, mais non. Que des trucs mauvais. Et salut Kura, comment ça va? Bien et toi? Eh bien, ça va. T'arrives pile pour le combat contre le champion. Là, je vais me soigner, on va se faire Watson. Je pense qu'en 10-15 minutes, c'est fait. Il n'y a pas Watt dans Pokémon Noir et Blanc 1? Non, dans Noir et Blanc 1, il n'y a que les Pokémon de la 5G. C'est dans Noir et Blanc 2 qu'il y a les Pokémon d'autres générations. Bon, Watson. Par contre, je sais un truc. C'est qu'il faudra pas que je sorte de l'arène une fois que j'aurai fini. Parce qu'il va se passer des choses. Ah, j'ai pas vu. Je voulais lire son nom. Oh, et la musique épique par contre. Arène de Genusia, champion Watson, le maire spartiate. Bienvenue à l'arène de Genusia. Pour bien commencer, une bouteille d'eau fraîche, comme toujours. Tiens, en parlant d'eau fraîche, je vais boire de l'eau. Alors, que dis-tu de ces statues de dragons? À couper le souffle, hein. Et ces statues de cette taille, on n'en trouve que dans cette arène. Pour rejoindre le champion, il faut monter sur la tête de ce dragon et s'élever jusqu'à celle des autres. Watson est spécialiste du type dragon, comme tu l'as pu le deviner puisqu'il y a un peu de dragon partout. Ça c'est entre nous, mais ce type est vulnérable à lui-même et au type glace. T'inquiète pas, je le savais. Hey! Il faut toujours viser plus haut, comme un dragon s'élevant dans le ciel. Ah oui, ça fait beaucoup. Faudrait faire Pokémon Ruby Omega. Oui, c'est prévu que je le fasse un jour. Ah oui, il est niveau... Mais attends, Watson, il est niveau combien? Parce que le mec là, il est niveau quand même 46.
C'est chaud. C'est très chaud. Oh, je vais prendre super cher. Ok, faut vraiment farmer. Faut vraiment qu'on farme. Les Pokémon doivent être vers niveau 50. Niveau 50 ? Ah non, mais on n'a pas le niveau, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on va devoir refarmer encore. S'il y en a un qui peut vérifier. Plus haut se trouve le dresseur plus fort que moi. Celui de droite privilégie l'attaque, celui de gauche la défense. Ok. Celui de gauche il préfère la défense. Hein. Eh bien on va peut-être le focus. Comme ça je pourrais le défoncer moi. Mais on est tellement mal. ...46, 46, 48. On n'est pas au niveau. On n'est clairement pas au niveau. La défense, c'est tout. Watson n'a pas tant d'écart avec les dresseurs. Ouais, mais ça va être chaud quand même. Il se passe qu'au niveau 50. Bah, je pense qu'on va faire ça, hein. Parce que là, on est vraiment pas bien. Déjà que Watson, il a assez galère à battre. Oh, en vrai, si je me fais pas axe par la confusion, il y a moyen de le one-shot ce Pokémon. Ok. Oh là là, et vous allez voir là, il va pas faire d'abri et je vais me prendre un dégât. Ah oui, mais il est relou un peu. Il est très relou. Ah bah oui, mais double paf, ça type dragon, ça me défonce. Ok, on va se soigner. Et si je vois que je galère trop, j'utiliserai Azumarill. Ok, on va mettre Azumarill. T'es dans une merde. Ah mais oui, mais c'est atroce. Oh, et l'autre, il abuse de son... Allez, si ça passe. Et ça passe pas, évidemment. Allez, Azumarill, s'il te plaît. Je perds patience. J'ai envie de tout casser. Ah bah voilà quand tu veux. Dracarmin, on ne change pas. On va un peu farmer Azumarill Coloforce. Ah mais je tanque pas, je tanque rien du tout. Ok, j'ai compris, on va farmer.
On va aller entraîner nos Pokémon parce que là on se fait déglinguer. Je sais même pas qui jouait à part Azumarill et Libégon. Peut-être Zoroark à la limite. Ah ouais, mais ça fait rien du tout. Oh là là, oh là là, mais quelle catastrophe. Ouais bah à la fin de ce combat on va aller farmer un coup parce que là si on galère comme ça contre juste les dresseurs, on n'a pas fini. Je vais mourir, tout simplement. Tranche nuit. C'est bon, ça le met KO. Si je pouvais avoir machination sur Zoroark, je pense que ça me sauverait la vie. Il va prendre Embargo, mais après moi machination. C'est nul Embargo, ça ne vaut rien. Combat trio, combat rotatif. J'ai envie de tenter le combat trio. Et si on... Et après on farmera. En vrai... Ouais, Noacier, j'aurais tenté de le mettre, mais en vrai... Il va prendre cher, donc peut-être mettre Zoroark. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. On va faire le mec du combat trio. Et après on ira farmer. Le combat trio, il démultiplie la puissance des Pokémon. Vas-y. Donne-moi de l'XP, ça me fera ça de moins informé. Ok, coupe-note, c'est assez facile à tuer. Un cisage et Dracamin, c'est un peu compliqué. Mais ça peut se jouer. Si je fais genre Dracoqueux sur coupe-note, tranche-nuit sur Dracamin et point glace sur un cisage. Normalement, on va déjà bien déblayer le match. J'ai lui ce setup, donc faut que je le mette KO vite. Coupe-note, il est pas très dangereux. Mais il fait mal. Et on focus Libégon, évidemment. Il fallait focus celui-là, alors que celui-là, c'était mon Pokémon le plus important. Tiens, pour la peine, je mets KO ton 6H. Même pas. Eh bien... Roi Tiflamme. On va faire un tacle feu sur coupe-note. Toi, tu vas soigner Libégon. Et toi, tu fais... Oh, j'ai envie de faire un surf. Ouais, on peut tenter un surf. Ça fera mal à Zoroark, mais c'est pas dramatique. Voilà, de toute façon, il est KO.
Ah mais ils tankent tous, c'est un truc de fou. Ah c'est vraiment des monstres le type dragon. Heureusement qu'il y a eu le type feu parce que... À cette époque c'était tellement dur à les battre. Mais ils tankent tout. C'est abusé. Tiens, prenez nos aciers, comme ça vous allez vous péter le crâne dessus. Toi tu fais gyro-balle sur... Ouais en vrai il fait gyro-balle sur un 6H. Et moi je fais point glace sur Dracarma. Ah, ils prennent des dégâts. Blessez-vous, pétez-vous le crâne. En vrai, je pense que je jouais vraiment Noacier contre Watson. Parce que je me vois pas gagner sinon. Azumarill, Noacier, Libégon. Allez, on va rejouer Libégon. Voilà, un petit MME. Quoique. Non, 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 on va faire mieux que ça. Tu fais Drago queue. Toi. Tu fais ça. Sur Libégon. Et toi, ben, tu peux rien faire, donc tu vas attendre. En étant sur live, ça fait plaisir. Ah oui, j'ai même pas vu. Bah, merci à tous. Putain, on est 30 alors qu'il est quasiment 2h du mat. Vous êtes des fous. Relou. Très relou ce Pokémon. Tu veux pas genre tomber KO en fait et mourir. Ah bah non, maintenant 31. Mais ça n'en finit plus, vous êtes trop nombreux. Enfin non, vous êtes pas trop nombreux, ça fait plaisir. Non non, vous êtes pas trop nombreux, ça fait vachement plaisir mais... Il est super tard et vous êtes encore aussi nombreux. Vous êtes des petits insomniaques, vous. Tu es véritablement digne d'affronter Watson. Il faut désirer la victoire au plus profond de soi-même pour se déchaîner. Ouais, ben non. Je vais juste aller m'entraîner. Bon, on va enfin pouvoir affronter Watson. Je vais sauvegarder. Et en vrai, je crois qu'on va commencer avec Libégon, parce que Libégon, en vrai, à cause de son type dragon, c'est le moins puissant. Je pourrais compter sur lui, au pire, pour spammer Draco queue pour blesser un maximum les Pokémon. Et les empêcher de se setup. Et une fois qu'il tombe KO, je switch sur Noacier, sur Azumarill, qui fait son point glace pour tout défoncer. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est quoi vos paris? On gagne ou on perd? Je pense que ça va être très dur. Je suis enchanté de voir que tu as pu surmonter les épreuves dressées sur ton chemin jusqu'à moi. Je me nomme Watson, et je suis le champion dévoué de la reine de Janusia. En tant que maire de cette ville, j'ai investi toute mon énergie dans son développement. En tant que dresseur, je n'aspirais qu'à davantage de puissance. Désormais, je ne rêve plus qu'un futur radieux que pourrait me montrer un jeune dresseur plein de vie. Puis-je espérer qu'à la Star d'Iris, tu me montreras aussi cette voie? Ah, ça parie plus sur ma win. Ou si tu perds, je te dois un kebab. Ah, c'est pas plutôt l'inverse? Si je gagne, tu me dois un kebab?
Allez, Dracoqueux. Voilà, coucouche panier. Je le one shot. C'est parfait. Et cap critique. Un Libégon. Ok, on va switch. On va mettre Azumarill. Quoi qu'en vrai. Non, Azumarill, on le garde pour Tranchodon, je pense. Donc, nous aussi, on va l'utiliser pour faire un méga fouet. Il y a moins que ça fasse mal sur Libégon. En vrai, on est tellement haut niveau là que. On va lui rouler dessus. Ça, normalement, ça fait pas trop mal. Et là, paf! Midlife. Un peu plus, même. Double méga fouet. Pourquoi tu n'as pas pris Azuril au tout début du jeu? Parce qu'à la base, je voulais prendre un crapustule. Sauf que j'ai appris plus tard que crapustule n'était obtenable qu'après la ligue. Du coup, bah, j'ai décidé de changer mes plans pour prendre Azumarill. Et donc, j'ai capturé un Marill. Tranchodon, on va mettre Azumarill du coup. Et un point glace, et je pense qu'on le défonce. Le sang boue plusieurs demandes avec l'âge. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Eh bah tiens. En vrai, il a pas une très bonne défense à Azumarill, mais qu'est-ce qu'il tape fort avec sa coloforce. Ah, il a tanké. Ah, Azumarill va pas tenir le coup, je pense. Ouais, je pense pas qu'il tient. Ah si, il tient. Allez, c'est fini. Bon bah c'était facile en vrai. On lui a roulé dessus. Par contre j'ai pas le layout pour Watson. Prodigieux. Je suis reconnaissant d'avoir pu te rencontrer et livrer un tel combat. Grâce à toi je me suis souvenu du véritable sens des Pokémon. En alliant ses forces à celles des autres. Il devient possible de surmonter toutes les difficultés. Willow, tu dois perdre ou tu n'auras pas ton kebab. Ah zut alors. Bon bah tant pis. Si je me ne trompe pas, tu as en ta possession 7 badges du Miss. Aucun Pokémon ne saurait te désobéir jusqu'au niveau 80. Je voudrais aussi que tu prennes ceci avec toi. Il s'agit de l'une de mes cités préférées. Je l'ai nommé Dracoqueux. Il a pu me donner quand même une cité différente, là je l'ai, Dracoqueux, je suis deg. Le choc de l'impact de Dracoqueux inflige des dégâts, mais également si puissant qu'il envoie le Pokémon touché dans sa Pokéball. Autrement dit, cela force son adversaire à changer de Pokémon. Bien, je dois maintenant te narrer la légende de la fondation du Nice, comme l'a demandé la fille de ce bon vieux qui était derrière. Retrouvons-nous dehors. Ouais, eh bien, je vais vous laisser là, parce que je sais ce qui se passe dehors, et on va éviter d'y aller maintenant. Hop là, du coup on descend tranquillement. On va se laisser là, je me mets juste ici, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, il risque d'y avoir pas mal d'action. C'est pour ça que je garde un petit peu le mystère, j'entretiens l'hype. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon Noir 2. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.